Vous le savez, nous traversons toujours une situation hors du commun. Notre économie est chamboulée. Les entreprises demeurent inquiètes à ce jour. Les données confirment ce qu'on entend. Les impacts de la pandémie sont loin d'être terminés pour les commerçants de la Ville de Québec. À la lecture du sondage, on réalise d'ailleurs que le message de l'achat des produits québécois a bien été entendu par la population, mais que du travail reste à faire pour sensibiliser les gens à l'importance d'acheter dans des commerces à propriété québécoise ayant pignon sur rue ici à Québec. Si on veut des artères commerciales fortes et dynamiques, cet aspect de l'achat local est fondamental. Au moment où les programmes d'aide gouvernementale disparaissent peu à peu, ces résultats nous disent de rester vigilants. Il faudra notamment continuer d'accompagner nos détaillants dans leur virage numérique parce que la hausse du commerce en ligne est là pour rester. Cependant, le sondage confirme qu'un retour en mode hybride avec une présence plus soutenue des travailleurs au bureau pourrait avoir des impacts bénéfiques importants sur nos artères commerciales. Je réitère aujourd'hui l'importance d'achat local, d'encourager les commerçants de la ville, de prioriser les entreprises de notre communauté. Au nom des gens d'affaires, dont je souhaite le retour au travail, des travailleurs au milieu de travail et en même temps un impact important pour les commerces locaux est énorme. Grâce à une telle mesure, nous pourrons permettre à l'économie régionale cette relance que tous tentent d'effectuer suite à la crise sans précédent que nous venons de traverser. Le succès de cette remise sur rail ne pourra être garanti sans un effort commun des travailleurs, des consommateurs, des employeurs et des entrepreneurs.